Bienvenue à tous dans le chapitre 3 de Fortnite. Aujourd'hui les amis, nous allons espionner le nouveau boss fondateur, alias The Rock. Comme d'habitude, je compte sur vous pour exploser les likes. Mais juste avant, je vais offrir un cadeau à un abonné. Salut Killer, alors dis-moi, quel cadeau as-tu choisi? Je veux le pass de combat chapitre 3. Et voilà, normalement, tu as reçu ton nouveau pass de combat du chapitre 3. Oh, mais aussi... code créateur coco. Je vous offre tous les jours un maximum de passes de combat et nouveaux skins du chapitre 3. Donc si toi aussi tu aimes les cadeaux, dépêche-toi de mettre le code coco. K-O-C-O dans la boutique Fortnite. Et action! Incroyable les amis, nous sommes enfin arrivés dans le chapitre 3 de Fortnite. Regardez-moi ça, je suis sur la statue, sur l'épaule droite du père fondateur, alias The Rock. Et ça tombe bien parce que c'est lui qu'on va espionner. Mais avant tout ça, il faut qu'on le trouve, c'est parti les amis, je suis vraiment très content. Déjà, faut que vous sachiez quelque chose, c'est que ça fait 4 heures que je suis bloqué dans le menu Fortnite parce que tout simplement ça ne marchait pas. Il y avait tellement de joueurs qui se connectaient simultanément que j'étais bloqué. Ok, la banane était recalée de Fortnite, j'avais pas le droit de jouer les gars. Et là, enfin je peux jouer. Bon par contre, on va quand même s'armer, hein, parce que apparemment, le boss fondateur, ou fondation, je sais pas trop comment l'appeler, il est déterminé. Apparemment, c'est un des plus forts boss qui a jamais existé, en concurrence avec Wolverine, hein, pour les anciens qui se rappellent. Bon, on va quand même se looter un minimum, voilà, tac tac. Ok, magnifique. Et maintenant les amis, il faut le trouver. Alors, où est-ce qu'il est le petit boss? On va l'espionner les amis, bien sûr, 24 heures, ça va être trop stylé. Je suis vraiment trop content, voilà, d'avoir une nouvelle map, d'avoir des nouvelles choses à faire sur Fortnite. Ça fait plaisir, un peu de renouveau. N'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires si vous êtes content les amis d'avoir autant de nouveautés comme ça sur Fortnite, un nouveau chapitre, etc. C'est super stylé. Me dites pas que c'est la nouvelle arme. Wouh, trop stylé. Nouvelle arme en première personne, c'est magnifique, c'est vraiment stylé. Bon allez, on se concentre les gars. N'oublions pas la mission principale de cette vidéo. Trouver le boss fond. Fondation. Je vais prendre ça, ça peut servir si je veux l'attirer. Alors où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Apparemment les amis, il est vers ici, hein, parce que là c'est vraiment son territoire. Attends, en tout cas la map est magnifique, hein. La nouvelle map est magnifique. Les arbres, la nature, la biodiversité du jeu est incroyable. Alors où est-ce que tu es, boss fondation? Non les amis, ne me dites pas que c'est lui. Je crois qu'il est juste ici les amis. C'est parti pour l'espionnage, ça commence. Ok, bon ben là il fait son petit footing. J'ai l'impression qu'il est en train de sécuriser un peu sa zone, son territoire. Incroyable. En plus avec le viseur laser et tout, en première personne on peut bien l'espionner, c'est trop stylé. Par contre je sais pas s'il est méchant, s'il est gentil, là j'avoue que j'ai des doutes, hein. Bon logiquement il est gentil, hein. Le boss est avec nous, hein. Mais je pense que si on le cherche, il risque d'être vénère. Je suis aussi curieux de savoir ce qu'il va nous donner comme loot. Bon pour l'instant les amis, vraiment on se fait discret, hein. Le but de la vidéo c'est l'espionner un maximum pour voir exactement ce qu'il fait pendant 24 heures, pendant toute une journée entière en quelque sorte. Pour l'instant il ne fait que marcher, hein. Bon j'espère quand même qu'il y a des petits easter eggs cachés, qu'il va faire des petits trucs bizarres. Parce que là frérot The Rock, tu vas quand même nous faire des petits pompes, The Rock de la musculation. Parce que là frérot, si tu fais que marcher, ça va pas le faire, hein. Bon allez, on le suit, hein. On le suit discrètement, il faut pas qu'il nous voit. Il faut vraiment pas qu'il soit intrigué par nous. Ok, bon pour l'instant les amis, il ne fait que marcher, hein. Il fait rien de spécial. On va continuer à le suivre tranquillement. Il est stylé quand même ce boss, hein. Il est badass. Et hop là, on se cache dans les buissons, on le suit. Ah là, il est vraiment dans son village là, hein. Il protège son territoire. Waouh. Allez, vas-y, montre-nous un endroit secret, je sais pas, rentre dans une cabane, un bunker. Je sais pas, t'as pas une maison secrète, un truc chelou, des armes que tu caches. Allez, vas-y, surprends-nous un peu, là. Surprends-nous, bro. Arrête de marcher, tu fais que marcher. Ta vie, c'est pas que marcher, quand même. Vraiment, il marche, hein. Ok, sa vie à ce boss, c'est marcher. Non, mais me dites pas quand même que le boss fondation qui est censé être le boss... Vous l'avez entendu? Il a grogné. Il a grogné. Le boss fondation qui est quand même censé être le boss, je sais pas moi, un peu ultime du jeu quoi. Ça fait tellement longtemps qu'on l'attend. J'espère quand même qu'il va faire des petits trucs. Il va pas juste circuler dans la map quand même. Bon allez, vous savez quoi, je vais m'approcher de lui pour voir s'il réagit. Salut. Ah mais non, mais il s'en contrefiche en fait. En fait, il m'ignore, c'est une ignorance totale quoi. Est-ce que si je le bloque, ça fonctionne? Ah non, mais vraiment, il m'ignore quoi. Ok, j'ai jamais vu un boss pareil en fait. Est-ce qu'il va rentrer dans une maison? Même pas? Même pas? Ah non, vraiment, il circule quoi. C'est tout ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il y a ici là? Ah ouais, c'est peut-être là qu'il dort. Ok. Bon, on continue à le suivre, hein. On le suit quand même encore un petit peu les amis. Et s'il fait que marcher, bien sûr, on va l'attaquer, hein. Parce que là, sincèrement, il montre pas grand-chose le petit boss là. Je m'attendais à plus de secrets là, hein. À part marcher, à part faire un footing avec lui les amis, on fait pas grand-chose. Ah, il s'arrête. Ok. Par contre, il est badass, hein. Il est badass. Wow, avec la statue, regardez les gars. Regardez-moi ce plan magnifique. Wow. Et il repart, ok, bon. Il s'est arrêté ici, il a regardé la vue, il a regardé le ciel. Et il repart, ok.
D'accord, bon, bah en fait ce boss ne fait que marcher. On va quand même le suivre encore un peu parce qu'on ne sait pas, peut-être que je suis arrivé à un moment où il fait que marcher, mais peut-être qu'il y a un endroit où il rentre, où il se repose, où il s'assoit, on ne sait pas les gars. Donc je continue à le suivre tranquillement. Bon, j'avoue que ça tourne un peu autour du pot, mais bon, soyez patients les gars, regardez-le, soyez patients. Je suis persuadé qu'il y aura un petit truc, au moins une émote, quelque chose quoi. Il peut pas juste se contenter de marcher quand même. Là, il se dirige vers des buissons, ok. Est-ce que c'est une cachette secrète? Il se dirige vers des buissons. Ah, c'est peut-être sa maison ici, hein? Non? Je sais pas. Allez, vas-y, rentre ici, je sais pas, fais quelque chose. Ah, il s'arrête. Il s'arrête ici. Intéressant, c'est peut-être sa maison. Je vais aller voir à l'intérieur ce qu'il y a. Ok. Bon, rien de spécial, hein. Oh, il repart. Bon, mes amis, vraiment, je crois qu'il fait juste des allers-retours, en fait, hein. C'est le boss qui fait le moins de choses au monde, en fait. C'est incroyable. Bon, bah, écoutez, puisqu'il est pas intéressant quand il est gentil, bah, on va lui faire une petite pique. Une petite pique pour voir s'il est plus intéressant que ça. Allez, c'est parti, les gars. What the fuck, ok. Ok, il balance des boulettes de bologno. Ok. En fait, il est déter, en fait. Il est plus intéressant que ce que je pensais. Wow, frérot, calme-toi. Je voulais pas t'attaquer, moi. C'était juste pour voir ce que... Wouah! Non mais c'est incroyable, il est surpuissant ce boss. Non mais par contre son attaque elle est très marrante, hein. Il charge une sorte de boulette de bologno là, c'est super drôle. Bon par contre s'il veut se fight, je vais me fight moi, il est où là? Wow! Ok, son attaque est surpuissante en fait. Son attaque est surpuissante. Tu veux te fight bro, on va se fight, y'a pas de soucis. On va se fight bro. Oula. Oula. Ah ouais, il est déter, hein. Il est déter. Ah ouais, non, mais son attaque, elle est surpuissante. Je crois qu'elle enlève plus de 100 PV. Waouh. Non, mais oh là là, mais il est déter, il est surpuissant. Par contre, je suis curieux de savoir ce qu'il donne, hein. Est-ce qu'il y a un pouvoir qu'on va avoir, je sais pas, en loot? Où est-ce qu'il est? Je l'entends plus, les gars, je stresse. Ah, il est là. Waouh. Eh, mais son attaque, elle est trop puissante. Ouh, c'est chaud les gars, c'est très très chaud pour moi. Je sais pas quoi faire les gars, j'ai plus de balles de loin. Ah, je peux en ramasser ici apparemment. Magnifique, bon 18, je vais pas faire grand chose avec ça. Ce qui aurait été bien vraiment, c'est un sniper quoi. Si j'aurais un sniper, vraiment ça aurait été plus facile pour le battre. Waouh, 3 PV, ok, bon bah c'est chaud pour moi. Ah ouais, avec une voiture, je vais essayer de l'écraser avec une voiture, ça peut être pas mal ça. Voilà, allez, vite, je me casse. Je construis, je monte dans la voiture, vite, allez. Ok, on va essayer de l'écraser les amis, c'est parti. Pour écraser le boss fondation alias The Rock. Let's go. Non mais il a encore de la popo, c'est pas possible. Ok, c'est bon, on est de nouveau potes, c'est bon, tu me fais plus mal, c'est bon. Sauf que frérot, je suis désolé, mais je dois t'affronter. Fondation, allez c'est parti. Wow. Oh, mais son attaque est surpuissante, elle enlève 90 PV, c'est un truc de psychopathe. C'est un truc de ouf, les gars, son attaque est surpuissante. Ok, il est où? Montre-toi, c'est bon, j'ai la hauteur, les gars. Ça va le faire. Wow, ok, j'ai réussi à esquiver son attaque, magnifico. Il ne reste plus beaucoup de vie, les gars. Allez, on se dépêche. Wow, mais il enlève trop de vie, c'est pas possible, les gars, autant de vie. Il va vraiment me buter, hein. Non mais c'est pas possible les gars, j'ai déjà 6 PV mais il est surpuissant en fait. Wouah, mais il continue à m'attaquer, mais il est complètement dingue en fait. Il me faut de la vie, parce que là c'est pas possible, hein. Allez s'il te plaît, de la vie. Eh ben non, pas de vie comme d'habitude. Je peux rien faire avec 6 PV moi. Par contre avec ça je peux faire quelque chose. Je suis de retour, The Rock, prends-toi ça. Allez tire. Oh non, il va m'avoir. Il va m'avoir les gars. Allez vas-y, tire des missiles, qu'est-ce que t'attends? Je vais mourir les gars, je le sens. Ok, c'est très très chaud pour moi les gars, j'arrive pas à le tuer. Non mais il est beaucoup trop déter ce boss. Oh là là, il est trop déter. Cette fois-ci, c'est la bonne. Allez, c'est parti. Let's go, allez. J'y suis presque les gars, En plus, je suis bien caché là, regardez-moi ça. J'y suis presque les gars. Allez, on va se le faire. Magnifique. J'ai vaincu le boss fondation. Et qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne... Du requin cœur. Ok, et il nous donne bien sûr la nouvelle arme en première personne, cette fois-ci en or. Magnifique. Bon ben les amis, merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo espionnage du nouveau boss fondateur, je ne sais pas trop, The Rock. Bref, le nouveau boss aux 4 milliards de noms et au mystère énormissime. Mystérieux, aussi mystérieux que cette gigantesque statue créée en son effigie. Merci à tous les amis, n'oubliez pas de mettre le code COCO, K-O-C-O, dans la boutique Fortnite comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à venir tous les jours regarder ma chaîne YouTube les amis, il y aura énormément du contenu. C'est ici que ça se passe, c'est ici que les choses se font. Merci à tous, à très bientôt.